Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous partager un petit témoignage de ma vie. Pour contexte, j'ai toujours cru en Dieu, j'ai vécu dans une famille chrétienne et tout ça. Et enfin, j'ai jamais pensé que Dieu ne serait jamais là pour moi. Il a toujours été là pour moi, je lui ai forcément fait confiance dans ma vie. Et je faisais tout le temps confiance à Dieu, en fait, et je faisais appel à lui. Bon, surtout dans les moments un peu difficiles, mais je faisais quand même souvent appel à lui. Et je savais que c'était celui qui me guidait, vraiment. Après, il y a des moments où ça a été difficile. J'ai pas mal déménagé, dû au travail de mon père, qui fait que je comprenais pas forcément ce que Dieu voulait pour moi. J'étais pas dans des villes que j'aimais vraiment et tout ça. Et en fait, j'ai eu du mal à faire confiance à Dieu à ce moment-là. Je me demandais pourquoi. Je lui posais des questions. Mais pourquoi tu fais ça? Quel est l'intérêt de venir ici? Quel est l'intérêt d'aller à Brest alors qu'il pleut tout le temps? Voilà. Et en fait, j'ai compris à un moment donné de ma vie, avec un peu de recul, que Dieu n'est pas là pour nous faire du mal. Il est là pour nous faire du bien. Et oui, peut-être j'ai beaucoup déménagé, mais ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai pu m'adapter à différents environnements. J'ai pu me faire plein d'amis, plein de connaissances qui font que maintenant je suis plus mature, que je suis plus sûre de moi. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment appris à faire confiance à Dieu dans tous mes projets. Même si c'est encore difficile, je ne comprends pas forcément là où Dieu veut m'emmener. Mais je sais qu'il peut me donner la paix dans tous ces moments-là aussi. Malgré le fait que j'ai été donc baladée un peu de droite à gauche, je sais que ce n'est pas pour rien. Et comme je l'ai dit, je l'ai vu avec différentes façons au fur et à mesure des années. Et voilà, moi, je suis toujours guidée par ce verset, donc Jérémie 29, 11. Donc, il dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset m'a vraiment guidée dans toute ma vie et ça m'a permis aussi de faire confiance à Dieu pleinement. Et c'est pour ça, voilà, maintenant, je lui fais confiance encore plus et je suis toujours émerveillée par ce que Dieu fait, parce qu'il m'a toujours guidée vers le droit chemin, alors que j'aurais pu aller vers différents endroits. Mais voilà, je vous encourage vraiment à juste faire confiance à Dieu. Il a vraiment un plan pour vous, il sait ce qu'il fait, même si des fois ça a l'air incompréhensible et ça a l'air dur. Dieu a un plan et Dieu peut vous guider pour chacun de vos pas. Et voilà, je vous encourage vraiment à être en paix avec Dieu et lui faire confiance.